Tu as encore deviné ma prochaine question? Oh là là, mais quelle efficacité! Bonjour, je m'appelle Bruno Dequier, je suis l'auteur de Luca. Alors, si je devais résumer ma série en trois mots, ça serait dynamisme, humour et révélation. Alors, moi, je suis plutôt sportif. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait une BD sur le sport. Et puis même, dans la suite des aventures, il y a pas mal de sports qui sont explorés, qui sont des sports que j'ai moi-même explorés. Je suis de nature maladroite, mais pas vraiment en sport. C'est plus dans la vie. Alors, moi, maintenant, mais quand j'étais adolescent, comme beaucoup d'adolescents, eh ben oui, je me posais beaucoup de questions. J'étais assez maladroit, notamment avec les filles, que tout comme Luca, je savais pas trop comment m'y prendre. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait un personnage comme ça, qui me ressemblait, en tout cas, j'étais cet adolescent-là, oui. Alors en amour, j'étais comme Luca, et je suis plus devenu comme Nathan avec le temps. Quand on est adolescent, on se pose beaucoup de questions, on a des complexes. Moi j'étais très timide, vraiment très très timide, donc j'avais beaucoup de mal à parler aux filles. J'ai mis beaucoup de variété dans Luca. Il n'y a pas un aspect plus qu'un autre qui me plaît. En fait, dans Luca, je mets tout ce que j'adore. Le sport, le football, j'adore l'émotion, j'adore le côté thriller. En fait, dans Luca, je me mets pas de barrière, et je me dis, si moi ça me fait plaisir, j'espère que ça fera plaisir au lecteur. Un vrai cadeau ? Oui, s'il te plaît. Allez, merci. Oh, génial. Oh, je connais lui. Bah, c'est super. Ça, c'est mes plus belles réussites. C'est un peu le rêve de voir ça. Merci beaucoup pour ce cadeau. Je fais un petit test d'abord. Super simple. C'est parti. C'est tellement impossible. Merci. Waouh. Franchement, je suis dessinateur professionnel. Vite, un autre. Je fais le petit col quand même. Parce que... Et voilà. Allez. Et bim. On a failli perdre la table, la caméra. C'était impossible à faire, hein. Le nouveau tome de Luca, l'histoire de Nathan, le tome 10, est en librairie. Alors si vous ne l'avez pas, foncez, il y a des révélations de dingue, c'est formidable, il est exceptionnel. Et je suis l'auteur, je sais de quoi je parle.